Ok Jimmy, t'en es capable. C'est fermé. Voilà, moi contre une fille. Blanc, deux yeux bleus, ceinture rouge, elle arrive et je comprends ce qui va se passer. Alors avant que vous m'accusez que j'ai tapé une fille, il faut écouter l'histoire. J'ai eu mon deuxième tournoi de taekwondo parce que le premier tournoi, je vous invite à aller regarder une de mes premières vidéos de ma chaîne. C'est en fait la vidéo où je réagis à mon combat et c'est très très mal passé. Hein. Tu prends tes clics, tu niques ta mère. Au taekwondo, t'es supposé taper le ventre et j'étais tellement essoufflé que j'ai cassé les jambes de mon adversaire. Me jugez pas, ok, j'avais 10 ans et j'étais stressé. Mais du coup, après cette mauvaise expérience, je me suis dit, écoute, mon deuxième tournoi, je vais gérer. Vous allez voir la suite, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc c'est parti, je me lève 5h30 du matin, je prends un petit déj de patron. À cette époque-là, j'étais matrixé par Rocky, donc vous connaissez l'œuf cru. Et c'est parti, je vais avec mon club direction Berlin en Allemagne. Dans le bus, je suis stressé, je me dis écoute, je vais pas être très soufflé, je me suis entraîné. En plus, faut savoir que c'était 2 ans plus tard, je devais avoir 9 ou 10 ans pour mon premier tournoi et là je devais avoir 12 ou 13. Je sais plus exactement. On arrive à Berlin et il y a plein d'équipes de taekwondo. Dans les tournois, ça commence d'abord par les jeunes, ensuite les adultes. Mon frère, il avait son premier tournoi. Il a gagné ses 3 combats, c'était une super expérience pour lui d'ailleurs. Il s'est ouvert le pied, il a tapé contre les dents de son adversaire, il avait pas mis le protège-dents. Super. J'attends mon adversaire, je commence à habiller l'équipement. L'équipement pour le torse, la tête, les jambes, les gants pour les mains. Je commence à m'échauffer, je tape dans les pads, etc. Dolio Chagi par-ci, mon Dolio par là-bas. Je suis dans l'attente. En fait, on est venu m'annoncer que j'avais pas d'adversaire. J'étais trop maigre. J'étais beaucoup trop maigre. Il était toujours maigre, ta gueule. J'étais tellement en dessous du poids de mon âge qu'il n'y avait pas d'adversaire. Je commence à déprimer. Tout ce chemin pour rien finalement. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon coach qui arrive et qui me dit, Jimmy, on t'a trouvé un adversaire. Moi, je suis super content. Je commence à nouveau à me chauffer, etc. Je fais, ok, ça y est, c'est parti. L'adrénaline, elle commence à monter. Super Saiyan mode activé. Je commence à marcher vers le ring. Pas un ring, mais vous avez compris, vers le tatami. Et on me dit tout simplement, voilà ton adversaire. Et là, je vois arriver une blonde aux yeux bleus, ceinture rouge. Et même si j'avais 12 ans, je savais déjà faire la différence entre fille et garçon. Excuse-moi, coach, je vais pas me battre contre cette belle fille là aux yeux bleus, ceinture rouge. Et il me regarde, il me dit, c'est le seul adversaire qu'on a trouvé à ton poids. Il y a que moi pour que ça arrive en fait, parce que personne dans ce tournoi s'est battu contre une fille. J'insiste tellement pour pas me battre avec elle. Ma mère, elle filmait tout le tournoi. Et aussi, en fait, le premier tournoi de taekwondo, elle l'a filmé parce qu'elle filmait tout. Et du coup, elle était en train de filmer et je crie dans le public. Tu filmes pas, tu filmes pas. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu avoir les images. Je pense que tous les mecs me comprennent, hein. Ça a rien à voir avec macho. C'est juste mettez-vous à ma place, s'il vous plaît. Ça se fait pas de se battre contre une fille, tout simplement. Et vous allez comprendre, j'aurais dû suivre mon instinct. La fille et moi, on se salue et on commence le match. Et là, elle m'attaque. Coup de pied, coup de pied. Moi, je suis là. Oh, oh. Et je comprends pas trop ce qui se passe. D'un coup, je veux lui mettre un coup de pied. Elle va en arrière, je le rate. Et là, il y a mon coach qui me dit comme ça. Oh, oh, tu te calmes. Vas-y doucement, c'est une fille. Yes, who's back. Et elle me remet des coups de pied. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, certes, faut que je fasse doucement. Mais l'allemande, elle est déterre, là, elle veut me défoncer, gros. L'arbitre, il nous sépare, genre, tu vois, il fait ce que. Ils font tous au taekwondo. Et il sépare comme ça. Ouais, j'ai fait les bruits, hein. Je sais pas trop ce qu'il disait, mais c'était à peu près ça. Et je vous jure, à ce moment-là, je voulais que ça se finisse. Je sais pas ce qui m'a pris. J'y mets un énorme coup de pied. Elle tombe à genoux et elle commence à pleurer. Et son entraîneur, il jette l'éponge, comme ça, tu vois, la serviette. Et le match, il s'arrête. Mon coach, il commence à. Péter de rire en fait derrière. Et moi je suis tellement mal que je vais là-bas et je m'excuse avec mon accent allemand horrible. Entschuldige, 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 entschuldige. Du coup t'as l'entraîneur de la fille qui vient et qui me dit t'inquiète, c'est pas ta faute. Nicht deine Schuld, ist nicht deine Schuld. Je crois que c'était à peu près ça. Moi à ce moment-là je suis hyper dégoûté. Finalement j'ai battu une fille, tu vois, genre, et j'en suis pas du tout fier. Je vous raconte l'anecdote parce qu'il y a que moi pour que ça arrive. En tout cas si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube. On s'abonne, on active la cloche et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.